Le droit de vote en France. En 1848, la France passe d'une monarchie à une république. Le changement est radical car on passe aussi d'un suffrage censitaire à un suffrage universel. Dans un suffrage censitaire, seules les personnes qui payent les impôts peuvent voter. Alors que dans un suffrage universel, tous les hommes de plus de 21 ans peuvent voter. Mais les femmes n'ont toujours pas le droit de voter. Il faudra attendre 1944.